régler tous mes problèmes en un instant avec la PNL, voilà une idée reçue, parce qu'évidemment, c'est faux. Il y a des choses que vous allez pouvoir assez vite transformer, mais il y a des choses qui vont devoir prendre un petit peu plus de temps. On en parle dans cette vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que la PNL et surtout qu'est-ce qu'elle nous permet au fond de transformer et surtout quelles sont les strates, en quelque sorte, de transformation qu'on va pouvoir trouver avec cet outil. Alors d'abord, la PNL, c'est une approche qui, évidemment, m'invite à mieux connaître évidemment mon cerveau, mon système nerveux, mes comportements et comment du coup dans la vie de tous les jours je vais pouvoir de mieux en mieux interagir, notamment grâce à des potentialités que je vais trouver à l'intérieur de moi, dans ma capacité par exemple à mettre au clair, ce qui est important pour moi, à remettre le focus sur des bonnes solutions en fait, euh, apprendre à mobiliser mon énergie, à travailler sur ma communication, bref, être un peu plus acteur, auteur et créateur finalement de ma vie. Alors à partir de là, il y a plusieurs strates en fait de transformation qu'on va trouver dans la PNL. La première, c'est ce qui va correspondre, on va dire, au, au premier niveau de formation, c'est la capacité à faire de la transformation que j'appelle contextuelle. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pour habitude quand je rentre chez moi d'aller fumer ma clope sur le balcon et j'aimerais changer ça. Euh, la première chose, c'est comment je peux, dans un contexte donné, amener mon système nerveux. Euh, et tout ce qui est derrière, à intégrer une nouvelle modalité qui soit finalement plus confortable que la cigarette, et donc de transformer cette habitude dans un contexte. Ça ne veut pas dire que je vais changer pour autant euh, d'habitude, mais parce que je me serai focalisé sur une situation précise, à partir de représentations mentales, je vais pouvoir identifier au fond comment fonctionner avec mon cerveau droit. C'est très important d'avoir cette représentation toucher les valeurs en fond que j'ai envie de nourrir à travers cette nouvelle décision, sentir l'impact que je peux avoir sur mon environnement, identifier de manière très spécifique les comportements que je veux changer et puis surtout ressentir intérieurement le bénéfice d'avoir fait autrement que dans l'ancien schéma. Et donc qu'est-ce qui se passe eh bien, Les différents niveaux qui sont internes vont être évidemment mobilisés de manière très différente et on va découvrir que c'est pas ma tête qui conduit mais tout fond tout ce qui est derrière tout ce qui est plus émotionnel c'est ça au fond qu'on va appeler au fond ce réalignement des planètes c'est-à-dire faire en sorte que cerveau et système nerveux finalement se mettent en cohérence à l'égard de cet objectif. Et on va se rendre compte que du coup, il y a des tas de situations comme ça que je peux améliorer très facilement. Par exemple, je sais que demain j'ai un entretien un peu difficile dans une entreprise, comment je vais préparer mon cerveau à donner le meilleur de moi-même dans ce contexte-là J'aimerais améliorer une relation avec une personne parce que c'est un peu compliqué en ce moment, mais je voudrais vraiment être au top dans cette situation, je voudrais me préparer pour un examen, bref, n'importe quelle situation dans laquelle vous ne vous retrouvez pas forcément au top aujourd'hui, peut être modifié assez rapidement. Mais qu'est-ce qu'on va faire On va faire du changement qui sera pour le coup immédiat, mais très contextualisé. Ensuite, si vous n'allez pas plus loin, bah, du coup, ça va reproduire en quelque sorte les mêmes thématiques. C'est un peu la même chose avec les états internes, qui est le deuxième angle très important sur lequel vous allez avancer en PNL. Euh, par exemple, la capacité à retrouver un état ressource. Alors, évidemment, que si je fais un travail avec vous pour aller vous retrouver dans un sentiment de confiance, de ressentir cette dimension-là, c'est assez facile de pouvoir faire, faire ça, de retrouver des expériences de référence dans lesquelles vous avez déjà vécu ça. Je peux vous y amener assez rapidement. Et puis, bien sûr, de ressentir davantage encore qu'est-ce que ça veut dire être en confiance et de muscler, en quelque sorte, cette, cet état interne et voire même de vous trouver une mécanique qui va permettre de vous ramener ça aussi souvent que vous le souhaitez. Alors là encore, parce que vous avez fait le choix de retrouver dans un contexte donné, eh bien cette ressource, vous serez capable d'aller la mobiliser, mais ce n'est pas pour autant qu'elle restera toujours. Vous voyez, c'est déjà impactant hein, d'avoir ce qu'on appelle nous un, un ancrage ou un auto-ancrage puissant, mais ça ne va pas révolutionner toute votre vie. Par contre, ça va vous aider à mieux gérer cet état interne. Le retrouver ou de le renforcer encore si vous le souhaitez. Si on parle de communication, par exemple, ben vous allez vous rendre compte que quand vous portez de l'attention sur la notion euh, euh, d'écoute, notamment quand il y a des divergences de points de vue, ben vous allez voir que si vous aiguisez votre faculté à écouter véritablement, donner du feedback, relancer la personne, valider ce qu'elle vous a dit, vous allez acquérir des outils qui vont permettre de transformer et d'améliorer, bien sûr, des relations quand vous allez porter de l'attention là-dessus. Mais dès qu'il y aura un peu d'enjeu émotionnel, soyons clairs, ça ne va pas forcément tout transformer. Pourquoi Parce que vous êtes en train d'acquérir des changements, des techniques de changement qui sont puissantes, mais qui vont être intégrées parce que vous avez pris conscience que dans le contexte en question, vous avez eu envie de faire euh, différemment. Vous avez pris conscience des modalités dans lesquelles vous avez eu envie de fonctionner. Mais c'est loin d'être une habitude. Et vous savez, dans les processus de changement, ce qu'on montre, c'est que d'abord, on n'est pas conscient des choses qui pourraient changer. Puis on devient conscient des éléments qu'on pourrait changer. Ensuite, on les met en place, c'est-à-dire qu'on on fonctionne de manière différente et on a effectivement des, des feedbacks, des retours qui sont bien meilleurs. Et puis, il y a une dernière étape qui est l'intégration. Et la répétition pour justement réautomatiser autrement ces nouveaux comportements. Alors ça, c'est pour moi du niveau 2, en fait. Et dans le niveau 2, ce qui est intéressant, c'est au fond d'aller chercher de manière plus profonde qu'est-ce qui se joue en automatique dans ma tête. Par exemple, je me rends compte que depuis longtemps, quand je repense à un événement que je n'ai pas très bien vécu avec je ne sais pas qui, bien je suis affecté encore, ça ne m'empêche pas de vivre. Mais sachez que ça, c'est un dossier qu'on peut aller chercher dans la partie plus arrière-plan et donc cette référence, ce souvenir qui m'a un petit peu blessé, je peux le reprendre et grâce à la capacité à piloter en fait mon, mon cerveau, je peux reprendre ces informations, faire un certain nombre de choses pour pouvoir transformer ça et le réinstaller jusqu'à au fond complètement, on va dire neutraliser en fait ce sentiment négatif, c'est à dire que je peux encore avoir tous les éléments qui sont en lien avec cette expérience mais plus du tout me sentir affecté par cette expérience. Ça, c'est tout à fait possible de le faire pour autant qu'on ait compris. mais ça suppose des outils un petit peu plus importants. Vous voyez si par exemple je sens que un jour parce que j'ai été, je prends souvent l'exemple de l'agression que j'ai pu avoir un jour dans le métro par exemple et qui va faire que je, je peux revenir dans le métro, mais je suis tellement mal malaise que je vais plutôt éviter d'y aller. Ou la peur d'un avion parce que j'étais beaucoup secoué dedans, etc. Donc, ça, c'est des choses qui vont évidemment freiner mon potentiel et qui vont faire que je vais plutôt éviter ce type d'environnement ou ce type de situation. Par exemple, je me dis, oulala, jamais je pourrais parler en public et l'idée même de me lever dans 10 personnes, c'est juste pas possible. Pourquoi Parce que mon système nerveux croit parce qu'il. Voilà, il a associé tout un ensemble de choses que je ne vais pas trop développer là mais et qui font que ça crée un blocage et ces blocages c'est du niveau 2. ça veut dire qu'il faut aller chercher en fait dans l'expérience qui est plutôt on pourrait dire ancré comme une habitude au niveau émotionnel, qu'est-ce qui s'est joué dans mon système de pensée, dans mon système d'évaluation, dans mes ressentis, dans mes expériences, et qui font que, comme ça a été fort, ben ça se reproduit de la même façon et ça structure en quelque sorte ma vie. Ça entraîne des phénomènes qu'on appelle de croyances vis-à-vis -vis de moi, des autres, du monde, dans ce que je vis, dans ce que je fais, dans ce que je ne peux pas faire, etc. Et ça, ça, ça m'enferme en quelque sorte dans un carcan qui est en lien avec du coup les expériences que j'ai vécues. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ça. Mais ça suppose d'un travail un petit peu plus profond. Et puis enfin, si sur la longueur, vous avez envie d'évoluer, eh évidemment, il va falloir intégrer des comportements à moyen terme et long terme pour vous mettre dans un processus évidemment de croissance. Donc là, ça veut dire réajuster des automatismes en fonction soit de valeurs, soit de projets que vous avez pour redonner un peu plus de cohérence. Si par exemple, vous aspirez plus à plus de présence dans, dans votre vie, ce eh c'est pas en décidant comme ça en cinq minutes que vous allez changer, il faut réhabituer. Votre cerveau d'abord à être plus conscient de ce que c'est que pour vous la présence, puis surtout de repérer les comportements qui vous en éloignent pour intégrer des nouvelles habitudes qui, avec le temps, vont s'intégrer comme une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de fonctionner. Et c'est au fond en transformant votre manière de penser, votre manière de réagir émotionnellement, puis enfin vos comportements. Que vous allez pouvoir transformer votre relation aux choses. Alors que ce soit la relation à l'argent, parce que vous avez du mal avec l'argent ou à l'amour ou avec le sport ou avec quoi que ce soit, on va se rendre compte que pour qu'il y ait une transformation qui tienne un petit peu la route sur la distance, bien il va falloir transformer votre mindset, c'est-à-dire votre capacité à analyser les choses, à les comprendre. Il va falloir changer aussi votre relation émotionnelle à l'argent ou à la nourriture, à quoi que ce soit. Et puis enfin, il vous faudra changer vos comportements et intégrer. Des nouvelles habitudes, et c'est à ce moment-là que changeant ces habitudes, du coup, vous allez changer d'inclinaison, probablement de, de croissance ou tout quoi donner plus de croissance parce que vous modifiez des choses à un niveau plus profond au niveau des habitudes. Donc, vous voyez, ça c'est le niveau 2. Et puis, si on poussait un peu, je vais pas être très long là-dessus, mais euh, il faudrait chercher encore plus profond pour être travaillé sur votre propre identité, ce qu'a fait votre histoire, tous les événements que vous avez traversés, construit, sur quoi vous êtes consolidé, qu'est-ce qui dans votre vie vous a plus profondément. Euh, Porter et de façon à pouvoir incarner avec plus de conscience ce qu'est véritablement votre potentiel, où est-ce que vous vous positionnez dans la vie, quelle est votre mission de vie, sur quoi vous vous sentez vraiment puissant. Et puis de la même façon, parce que vous êtes allé plus en profondeur, de repérer aussi parfois qu'est-ce qui se joue en termes de croyances limitantes, de sentiments, de relever aussi des expériences que vous avez oubliées mais qui ont pu euh, fragiliser certaines, euh, certaines situations parce que bah, vous croyez au fond de vous que ça peut ou pas être possible. Vous allez réagir émotionnellement euh, parfois avec des sentiments de ne pas être à la hauteur, des sentiments de ne pas y arriver, des sentiments voilà, qui sont très profonds et qui sont souvent... Euh, la conséquence d'expériences que vous avez pu accumuler ou des blessures qu'on va dire dans, dans le passé donc on peut aussi transformer ça vous voyez ça c'est du niveau 3, c'est à dire qu'on est en train de travailler sur votre propre identité votre essence personnelle donc comment incarner davantage ce, ce potentiel donc tout ça pour dire que le changement c'est pas forcément en cinq minutes même s'il y a des exercices qui sont assez puissants on sait par exemple en hypnose ou en pnl transformer assez rapidement un comportement lié au tabac, par exemple, arrêter de fumer ou quoi que ce soit. Mais en fait, la réalité, c'est que si on veut vraiment reconstruire une vie, ce n'est pas seulement en changeant un comportement, c'est en travaillant sur plusieurs niveaux, qui est le système de valeurs, la conscience de ce vers quoi vous voulez tendre sur le plan personnel, social, professionnel, le fait de grandir de plus en plus dans la conscience que vous voulez vivre intérieurement, et puis dans cette faculté à vous adapter à des environnements extrêmement différents grâce à une communication qui est plutôt souple, qui est capable vous rendez capable en tout cas de vous adapter à des terrains extrêmement différents et c'est tout ça qui fait la richesse de votre potentiel dans votre capacité au fond à réajuster en permanence une vie autour de ce qui vous intéresse vraiment voilà donc tout un programme que je vous invite à découvrir si toutefois vous sentez que ce sont des thèmes qui vous intéressent Bienvenue euh, au sein euh, de nos équipes. Si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez joindre nos, nos, bah, les personnes que nous avons au téléphone, euh, toute l'équipe, pour euh, justement vous écouter, vous aider à clarifier là où vous en êtes, là où vous voulez aller. D'abord, comment, si, comment la PNL, ou si toutefois vous avez envie d'avancer, comment on peut vous aider dans ce sens-là voilà. S'il y a des choses que vous avez envie de partager euh, sous cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Ce sera toujours intéressant de commencer à interagir euh, ensemble. Et puis, euh, ma foi, au plaisir de vous retrouver si vous souhaitez aller plus loin. Alors, félicitations pour être encore ici sur cette fin de vidéo. Si vous avez envie d'en voir d'autres, vous pouvez, un, vous abonner, cliquer éventuellement sur la cloche pour avoir une euh, notification. Et puis, bien sûr, un petit pouce. Merci pour ça. Et puis, au grand plaisir et bravo pour euh, faire ce qu'il faut pour avancer dans votre vie.